Oh, vous êtes là? Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'inondation et de pompage. Jusqu'à la fin des années 1800, le fleuve qui est derrière moi a causé beaucoup, beaucoup d'inondations. Pourquoi? Ben disons que le fleuve a beaucoup de courant dans ce coin-ci et pendant l'hiver, il se forme beaucoup de glace. Alors au printemps, quand la glace casse, ben elle forme des embâcles et ça bloque carrément le cours de l'eau. Les morceaux de glace qui pouvaient s'empiler sur des hauteurs de presque 10 mètres formaient tout un spectacle. D'ailleurs, il y avait plusieurs citadins qui descendaient dans le port pour assister à ce phénomène spectaculaire. Beaucoup de ces embâcles-là se formaient entre Hochelaga et les îles de Boucherville. Ben oui, c'est pas très large à cet endroit. Donc, il y avait des inondations à Montréal, mais ça se rendait jusqu'à Griffintown et même Pointe-Saint-Charles. La rue Saint-Paul était inondée presque à chaque printemps. Surtout la partie de Saint-Paul qui est aujourd'hui près du boulevard Saint-Laurent et un peu plus à l'ouest. Comme on la voit ici pendant la pandémie, alors qu'il n'y avait pas un chat. Pendant les inondations, c'est un peu le contraire. Un peu comme pour les embâcles, beaucoup de curieux descendaient dans ce coin-là pour assister au spectacle de l'eau qui envahit tout. En fait, il y avait tellement d'inondations dans ce secteur-là à la fin des années 1800 que les habitants et les propriétaires de commerce avaient pas mal toutes leurs chaloupes en prévision du printemps. Take a kayak! L'inondation qui a fait déborder le vase, excusez-moi pour la joke, c'est celle de 1886. C'était une inondation sans précédent. Le niveau d'eau a monté de plus de 6 pieds, plus que 120 cm. Évidemment, tout a été arrêté pendant plusieurs jours. Montréal était complètement immobilisé. Et plus de 20 000 familles montréalaises sont affectées par la crue des eaux. Heureusement, il n'y a presque pas eu de victimes, mais ça a vraiment causé beaucoup, beaucoup de dommages matériels. Ça a tellement marqué les Montréalais que sur l'ancien édifice maritime Allen, on retrouve une marque qui montre jusque où l'eau a monté. Hey, attends une minute, là. C'est pas 6 pieds, ça. C'est à peine 3 pieds. Bon, en tout cas. Les inondations, ça cause aussi beaucoup de refoulements d'égouts, bien sûr. Alors, pour contrer ces refoulements, on a créé deux stations de pompage en 1887. On n'a donc pas trop perdu de temps après les inondations de 1886. La station la plus à l'ouest, c'est la station Riverside. Elle est située entre la limite de Ville-Marie et Griffintown. La station Riverside a été active presque 100 ans. En fait, on l'a fermée complètement en 1980. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos, c'est rendu une forgerie où on donne des cours de forge et on fait des démonstrations. Je trouve que c'est vraiment un bel usage de ce genre de vieux bâtiment. L'autre station de pompage était située plus dans l'est. On l'appelle la station Craig parce qu'elle était située sur la rue Craig. Mais la rue Craig, ou la rue Saint-Antoine, comme on l'a appelée plus tard, ne se rend plus dans ce coin-là du tout. Aujourd'hui, la station est située tout juste à côté du pont Jean-Cartier. Mais bon, le pont a été construit en 1930, donc 43 ans après la construction de la station de pompage Craig. La station Craig a eu une moins longue durée de vie que la station Riverside. Elle a été fermée en 1950. Et depuis ce temps-là, il ne s'est pas passé grand-chose à la station. Même que le bâtiment était pas mal abandonné. Donc, on n'a pas vraiment eu le choix de la démolir. Par contre, grâce à l'organisme Les Amis de la Craig, on va probablement la reconstruire. Pourquoi? Ben pour en faire un musée des égouts. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ben dans le sous-sol de la station, il y a quatre énormes pompes à vapeur. Aussi, on prévoit faire des tours dans les égouts qui ne servent plus dans ce coin-là. La Ville de Montréal, en collaboration avec les Amis de la Craig, l'Écomusée du Fiermonde et aussi les Forges de Montréal ainsi que Héritage Montréal, ont créé 11 tableaux d'interprétation un peu partout dans le centre-sud.
qui parle en gros de tout ce dont je vous parle dans cette capsule. Je vous invite vraiment à faire le parcours par vous-même. J'ai bien hâte de voir si la station va devenir un musée, mais il va falloir qu'il arrange un peu le site. Pour filmer la façade, j'ai dû carrément mettre les pieds sur la très achalandée rue Notre-Dame. C'est un petit peu dangereux quand même. Quelques années plus tard, on a aussi construit une digue. Une digue qui avait pour but de bloquer les glaces, les empêcher de venir jusqu'à la terre, et aussi d'un peu contrôler le flot du fleuve Saint-Laurent. Donc, entre 1891 et 1898, on a construit cette très longue digue de 1,6 km. Grâce à l'Expo 67, on l'a tout aménagé. C'est là qu'il y a, entre autres, Habitat 67, des appartements qui ont une architecture un peu flyée. Les appartements conçus par l'architecte Moshe Safdi sont encore habités aujourd'hui. Au bout de la péninsule, il y a même un petit parc qui s'est d'abord appelé le parc de la Cité du Havre et maintenant s'appelle le parc de Dieppe. C'est très joli. Vous irez le voir au printemps. Donc, ça fait vraiment un grand bout de temps qu'on n'a pas eu d'inondation dans le Vieux-Montréal et autour. Mais pour combien de temps? Avec le réchauffement climatique, on ne sait jamais. Mais je pense qu'en 2024, on peut visiter un Vieux-Montréal très sec. Alors, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et commentez, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Aussi, allez voir mon Patreon, le lien est dans la description. Là-dessus, on se dit à plus!